J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc, nous sommes vendredi 4 octobre et je vous prends, il est midi et demi. Donc, je viens de finir tous les vlogs précédents, du coup, parce que j'ai, en fin de compte, c'est en montant que je vois qu'il n'y a pas, des vlogs, des vidéos de fermeture de vlogs. Donc, du coup, voilà. Donc ce matin, je me suis levée aux alentours de 6h, c'est toujours pareil, quand il y a l'école, je me lève, mon réveil reste à 6h, hein. De toute la semaine, ça reste 6h. Donc je me suis levée, j'ai bu mon café, je me suis préparée, j'ai été réveiller les loulous, ça a été très compliqué pour Evan. Hier, il a reçu, en fait, quand je vous avais parlé que Evan avait besoin de son casque anti-bruit pour aller à l'école, en fait, comme ça, il se met dans sa bulle quand il en a besoin. Et il m'en avait demandé, il avait demandé de le prendre pour aller à la cantine. Sauf que j'en avais mis un pour aller au centre de loisirs qui a été cassé. Donc du coup, j'avais dit à la prof, je suis désolée, mais non, il ne peut pas le prendre pour aller à la cantine. J'ai peur qu'il le casse, puis bon, c'est quand même 25 euros. Et là, en fin de compte, bah, il l'a cassé à l'école. Donc il l'a mis sur sa chaise, il a voulu se rasseoir, il ne l'a pas vu, il l'a cassé. Bon, donc là, on lui en a repris un, sauf qu'on lui en a pris un deuxième qu'on a eu pas très cher, hein, pour la cantine, justement. Comme ça, il en a un qui reste à la cantine et un qui reste dans son cartable pour l'école. C'est un Toussaint noir pour la cantine et pour l'école, on a décidé de prendre un bleu avec des petites couleurs quand même pour que ça fasse... qu'il préfère, quoi, en fait, hein, le casque pour l'école, il l'adore, mais par contre, le casque de la cantine, il m'a dit, bof, bof, c'est pas très beau, mais bon... Au moins, c'est quand même un anti-bruit. Bon, du coup, je l'ai mis dans son sac. Ils se sont habillés. On a failli être en, bon, on a été en retard. Hein, pour une fois, c'est la première fois de l'année qu'on est en retard. Du coup, bon, on n'a pas été en retard de beaucoup. Hein. On est parti. Evan, il n'est pas pressé le matin. Mais il m'a dit si, bah, il a du mal à se réveiller. Donc du coup, j'ai été les amener à l'école, j'étais toute seule bien sûr. Ensuite, j'ai été chercher les tickets de cantine parce que j'en avais plus. Donc j'étais les chercher. Je suis revenue et là, j'ai commencé à monter les vidéos sur Shine et tout ça. Donc je les posterai de toute façon. Donc j'ai commencé à faire ça et en fin de compte, Christian est rentré au même moment. Donc voilà. Sachant que cet après-midi, bah, en fin de compte, on a commandé parce que ma machine à laver, elle n'est pas vieille, elle a que 3 ans. On l'a acheté ici, on l'a acheté quand on est arrivé. Et bah, en fin de compte, c'est une machine à laver que j'avais eue chez Cédine Skunt. Et franchement, je ne vous la conseille pas du tout. C'est une Continental, je ne sais plus l'autre nom. Donc au début, quand on l'a eue, elle allait bien. Bon, ensuite, elle commençait à bouger quand elle essorait. Donc, j'ai regardé sur Internet. On m'a dit, est-ce que vous avez enlevé les vis de blocage, je ne sais plus quoi. Donc, Christian l'avait déjà fait. On l'a réglé les pieds. Ça faisait pareil, en fait. Au point où je ne l'allumais plus la nuit parce que elle partait dans tous les sens et ça faisait un boucan pas possible. Quoi. Donc, que ce soit pour les voisins ou pour nous, c'était pas le top, quoi. Donc, bon, on s'est dit, bon, c'est peut-être comme ça. Et en fin de compte, en voyant les commentaires, c'est vrai que la machine à laver, tous les commentaires disent qu'elle bouge. Il y a des fois où elle arrivait carrément dans le couloir des chambres. Donc, forcément, voilà. Et donc, la dernière fois, j'ai vu qu'il fallait régler les pieds. Donc, on a réglé les pieds tout ça. Et en la remettant, en fin de compte, on a entendu un gros claquement. Et en fait, la pièce a été cassée dedans. Donc, j'ai regardé. Elle n'était plus garantie, bien sûr. Hein. Voilà. Et elle s'est commencé à se mettre à fuir. Mais quand je vous dis fuir, c'est une piscine. Hein, c'est... Voilà. Donc du coup, on en a recommandé une autre qu'on doit aller chercher cet après-midi à Electro-Dépôt. Du coup, hein, voilà, j'ai regardé bien les avis, tout ça. Et je préfère aller moi-même à Electro-Dépôt que de recommander sur Cédine Skunt et avoir la même erreur avec la machine à laver, quoi. Et on en a profité pour acheter la télé du salon, du coup. Donc, on va chercher tout ça cet après-midi. Et puis, Nénette, Irina, la petite souris qui est passée. Et du coup, elle voulait un cahier avec des feutres, avec son argent qu'elle a eu avec la petite souris. Donc, du coup, pardon, en même temps, on ira à Action. Donc là, Christian, il est rentré. On a été vite fait à Intermarché pour prendre ce qu'il faut pour manger ce midi.
parce que bah, souvent, moi, le midi, quand je suis toute seule, je ne mange pas. Du coup, on a été chercher à Intermarché, il y avait des steaks bovines en promotion, et puis on a pris des frites, du coup, ce qu'on adore, hein. Quand on est à deux, on mange souvent ça. Là, Christian a vidé la voiture pour mettre tout dedans. Hein. Du coup, on va y aller sans les enfants, parce qu'avec les enfants, c'est pas possible, on peut pas, hein. La machine, elle rentre pas dans la voiture. Donc, du coup, je vais vous prendre avec moi. Et puis voilà, donc là on va aller manger. Et puis voilà, puis je vais essayer de trouver Action un séchoir pour étendre le linge. Parce que j'ai remarqué que j'ai mis, en fin de compte, j'avais acheté deux pulls neufs à Irina écrit LS dessus, hein, du coup. Et en fin de compte, en les mettant au sèche-linge, bah, les écritures sont parties. Donc, je préfère investir dans un séchoir à linge. Et puis, déjà, ça me coûtera moins cher en électricité. Et en plus de ça, ça abîmera moins le linge. Bon, après, quand ce sera les draps ou quoi, bien sûr, je le mettrai au sèche-linge. Mais les petits trucs, je les accrocherai ici. Bon, voilà. Donc, on va aller manger. On va prendre la route. Puis, je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc je vous reprends du coup, j'ai reçu le colis, donc en fin de compte, les enfants, donc hier j'ai reçu le casque que je vous disais pour Evan, et puis Rina a voulu un pull avec Spy Family, c'est un manga, et attendez, je recadre bien parce que là ça va pas du tout, voilà. Et elle a eu son écharpe mini, je vous la ferai voir tout à l'heure, hein, parce que là elle est partie à l'école avec du coup. Au début, elle croyait que c'était pour moi, mais non, en fait, c'est une belle petite écharpe. Moi, je voulais prendre celle avec cœur, mais elle n'était pas disponible, donc je vais pas... Bon, j'en ai une, du coup. Et donc, du coup, Evan, il n'y avait pas grand-chose en pantalon, j'ai trouvé, je galérais, donc du coup, j'en ai repris. Et puis, Rina, pareil, elle n'avait pas de leggings façon jean. Bon, c'était toujours noir ou gris, donc j'ai voulu lui changer un petit peu aussi. Donc j'ai pris sur Temu, là, j'ai trouvé sur Temu. Donc j'ai pris ce legging là. Voilà, donc avec les trucs là. Par contre, il me paraît bien grand. Je sais pas si ça va aller. On verra bien. Ça me paraît large. Irina les essaiera de toute façon, c'est ça en France. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Ah, celui-là, il est un peu plus serré, on dirait. Ouais, c'est un peu mieux, on va dire. Donc, j'ai pris celui-ci avec les papillons sur le côté, comme ça. Bon, ça me paraît large aussi. Hein. Donc, on verra bien. Hein. J'espère que ça va lui aller. Et comme ça, j'ai pris avec la... Voilà, comme ça, au moins, elle peut serrer. Au moins, ça ne tombera pas parce que c'est vrai que Irina, elle a tendance à perdre tous ses pantalons. Donc, c'est pas le top. Voilà. Et je lui ai pris en noir, avec les papillons aussi. Voilà, comme ça, en noir, avec les papillons, comme ça, de chaque côté. Voilà, celui-là, il me paraît un peu moins... De toute façon, on verra, je vais lui demander d'essayer, si elle est d'humeur à essayer, parce qu'en ce moment, Irina, on va pas dire que c'est la crise d'ado, mais... Elle fait entendre que c'est elle qui décide un petit peu. Donc, pour Evan, donc j'ai repris ces pantalons-là parce qu'il adore. Hein, je l'avais fait voir sur le retour de Shine. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais vous le publier avant cette vidéo ou après. Et donc, du coup, j'en ai repris parce que il n'en avait que deux. Il avait un jean. En fin de compte, j'ai compté les slims dedans. En fait, Evan déteste les jeans slim, donc du coup, j'étais obligée de retournement de situation, quoi. Donc, il a des joggings aussi, mais j'aime bien, des fois, bien, voilà, l'habiller, quoi. Pas qu'en jogging tout le temps, c'est vrai que, d'un moment, on se lasse. Et puis, Evan, il aime bien être bien habillé. Donc, du coup, j'ai repris celui-ci en bleu, un bleu foncé, on va dire. J'ai repris celui-là parce que celui que je viens acheter à la rentrée me l'a coupé au ciseau. Il l'a pas fait exprès, hein, c'était à l'école. Du coup, j'ai repris le même.
Et puis j'en ai pris un noir, il n'en avait pas. Parce que l'autre c'est de un gris clair. Du coup j'ai pris un noir comme ceci. Voilà, donc ça c'était chez Temuche. Et puis encore Shine. Parce que Shine, oui. Alors Irina c'est pareil. Oh, je vous fais trembler. Irina c'est pareil, les bottes qu'elle a eues, ils sont bien, ils sont belles. Mais en fin de compte, il y a les fils qu'il y a, où est-ce qu'il y a les cœurs, qui s'enlèvent. Donc du coup, bon, on a essayé de recoller une lanière, ça va, hein, elle tient bien. Mais la deuxième, on n'a pas eu le temps de la recoller, elle a été à l'école avec et en fin de compte, elle a perdu le bout. Bon, ils sont pas fichus, hein, c'est juste voilà, la décoration qui part. Donc pour l'instant, elle est mieux encore, mais on a préféré lui en reprendre une d'avance. Donc elle voulait mettre ses Converse, je lui avais acheté des Converse, bon des fausses, hein, façon Converse on va dire. Avec des trucs dessus, hein. Sauf que là, elle me dit, bah, moi, je peux les remettre. Et en fin de compte, on s'est remarqué qu'il y avait un trou dans la toile. Donc, du coup, elle m'a redemandé une paire de chaussures comme ça. Mais là, j'ai pris des montantes. Et elle voulait les toutes noires. Donc, du coup, j'ai commandé ça. Je vous ferai voir quand j'aurai reçu. Je l'ai commandé sur Shine, du coup. Donc, du coup, j'ai repris une chemise parce qu'elle aime bien les chemises à carreaux comme moi, j'avais pris. Donc du coup, mais elle veut rouge et noir. Donc du coup, on lui a pris ça. Puis elle avait vu des pinces Halloween. Et du coup, pour pas qu'Evan n'ait rien, parce que donc Evan, j'ai pris des petits bracelets qui clignotent et qui s'allument Halloween. Donc voilà. Donc là, ce coup-ci, c'est la bonne. On va les manger. Et je vous prendrai tout à l'heure. Je vous reprends. Du coup, on vient de rentrer. On a été rechercher du coup la télé. Tout ça s'est très bien passé. Franchement, électro-dépôt, franchement, c'est... Ils nous ont aidé à mettre la machine. Moi, j'ai pas fait, hein, c'est monsieur. Ils nous ont aidé à mettre la machine à laver dans le coffre, la télé avec, tout. Et juste à côté, il y avait un Action, justement. Donc, du coup, on a été Action. Ouais, un Action qui m'a coûté très cher. Et donc, du coup, les enfants voulaient des Irina, surtout. Donc, on leur a pris deux boîtes de crayons de couleur comme ça. Irina, c'était en promo cette semaine, donc on lui a pris ça avec son argent de la petite souris, du coup. Donc, il y a un petit cahier avec des crayons de bois, gomme et taille crayon. Ensuite, on leur a pris chacun un cahier comme ceci. Donc, l'autre sens, c'est comme ça. Et donc, dedans, c'est des feuilles toutes basiques comme ça, hein, du coup. Donc, un chacun pour Evan, un pour Irina. Ensuite, moi, je me suis pris mon... je sais pas si vous allez voir. Hein. Mon tumbler à linge. Voilà. J'ai pris avec des lots de... Des lots d'épingles à linge, donc j'ai pris en bois parce qu'en plastique ça casse sans arrêt, donc j'espère que ça va tenir mieux qu'en plastique. On a pris 3 lots, il y en a 40 pour 99 centimes, ça valait pas le coup de s'en passer. Ensuite j'avais pris un balai, mais le balai que j'avais pris la fois dernière, ça va pas, on dirait une brosse. Donc du coup j'ai repris celui-là en balai, je retransférerai le manche dedans. Ensuite, j'ai pris, alors ça faisait longtemps que je ne les avais pas pris, et je me suis dit pourquoi pas les reprendre. Donc j'ai repris ce produit-là, donc le rose, je revois partout, donc du coup je dis bon pourquoi pas, il fonctionnait très bien, hein, parce que voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas acheté de produit à Action. J'ai repris celui-ci pour la cuisine, donc le vert. Et j'ai repris le senteur et alors j'avais pris à la lavande la dernière fois, le violet quoi. Et il sentait pas terrible, donc là j'ai essayé celui-là, on verra si ça sent mieux ou pas. Ensuite, je leur ai pris chacun une boîte de feutre comme ceci du coup. C'est des plaidos, donc on verra bien. Et j'ai repris... Alors, c'est pareil, ça, je l'ai vu sur TikTok, du coup. J'ai revu ça.
C'est un parfum à l'intérieur, donc il a l'air de sentir bon. Est-ce qu'il reste longtemps? Je sais pas, mais il a l'air de sentir très très bon. Donc voilà. Et puis Christian, il s'est pris de la colle à bois parce que bah, on a un projet pour Noël. C'est... Attention, parce que tu as digéré des nouveaux trucs. Oui, c'est de faire un fauteuil pour le Père Noël en fait. Donc Christian, il a repris ça pour voir. Voilà. Donc là, si vous entendez, il est en train de mettre la machine à laver. C'est un peu le bazar dans la maison, je vous laisse imaginer le dégât. Il y a du polystyrène d'un côté et de l'autre. Tout va bien, je vous la préviens après la machine à laver. Et là, il va être l'heure d'aller rechercher les loulous à l'école. Donc on va y aller, je vais préparer leur petit tas chacun, comme ça il n'y aura pas de dispute. J'ai encore des colis à redéposer au point relais, je ne sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui. On verra bien. Et puis voilà. Donc je vous reprends bah, tout à l'heure. Je vous reprends aujourd'hui pour clôturer le vlog parce que j'ai pas eu le temps de le clôturer. On a été rechercher les loulous à l'école. Ensuite, bah, ils ont découvert leur feutre. Tout ça, ils étaient assez contents. Irina n'a pas lâché sa sacoche du week-end. Donc elle a fait pas mal de dessins. Je vous ferai voir dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a eu de la visite, donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous clôturer le vlog. On a, bah, du coup, ça s'est fini tard, on a blablaté, et puis on n'a pas vu le temps passer. Christian m'avait fini de monter la machine à laver, donc comme ça, on l'a essayé. Elle fait largement moins de bruit que celle qu'on avait avant, au point où je l'ai mis au soir et qu'on ne l'a même pas entendu de la nuit. Donc ça, c'est nickel. Là, elle est en train de tourner, je vous la ferai voir dans un autre vlog, du coup. On a mis en route la télé, temps de faire les réglages, temps de régler tout ça. Et puis ensuite, on a pris notre douche, on a été se coucher. Donc voilà pour ce vlog. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Et moi, je vous dis ciao !